Au nom du Père, du Céleste Puissant, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par le nom de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, au roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Aujourd'hui, 5 janvier 2021, la journée commence bien. J'ai passé une bonne nuit avec 4 de mes chats. Ama, Kame, Nirvana, Nanda, les autres ont l'air de bien se porter, tout a l'air de bien se passer. Je remercie le ciel de tout ceci, d'être en forme ce matin, d'avoir plein d'espérance, plein d'espoir, d'avoir confiance en Dieu. Le ange du jour est l'ange Rochelle ou Ra'ael. Nous sommes dans le cœur des anges gardiens. Je demande à tous les anges gardiens de tout le monde d'être prêts à entendre mon audio, mes paroles, mes prières. Le recteur, l'archange recteur du cœur des anges gardiens et l'archange Gabriel, force de Dieu. Je demande la présence de tout le monde pour invoquer aujourd'hui, mardi, le rayon rose de l'amour divin en action. J'invoque le rayon rose de l'amour divin en action dirigé par Maître Paul le Vénitien, Maître Lady Nada et l'archange Samuel, Kamael, Samuel. Rayon rose, rayon rose, rayon rose de l'amour divin, descend en moi s'il te plaît. Descend en nous, moi, mes chats, mon lieu d'habitation, mes proches, mes amis, mon voisinage. Tous les humains, tous les animaux, tous les végétaux, toute la terre, entoure-nous, rayon rose d'amour divin, entre en moi, entre en nous, active en moi et en nous la puissance de la flamme rose afin de recevoir puis manifester, s'il te plaît, rayon rose, flamme rose, l'amour universel et inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour des anges, l'amour des archanges, l'amour de Jésus, l'amour de Marie, l'amour du Saint-Esprit, l'amour des saints, l'amour du cœur sacré de Jésus, l'amour du cœur immaculé de Marie, l'amour de Krishna, l'amour de Radha, l'amour de Prabhupada, l'amour de Jagannath, l'amour de Hanuman, l'amour de Ganesh, l'amour des Devas, l'amour des maîtres ascensionnés, l'amour des Bouddhas, l'amour des animaux, l'amour de mes chats, l'amour de la terre-mère, l'amour du soleil, l'amour de la lune, l'amour de toutes les planètes, l'amour de toutes les étoiles, l'amour de tous les univers, l'amour de l'univers, l'amour de mon voisinage, de mes voisins, l'amour de mes amis, l'amour de mon complément amoureux, de ma partenaire idéale, l'amour de mes ancêtres, l'amour de mes parents, l'amour de mes lieux d'habitation, l'amour de mon jardin, l'amour des personnes dans mon village, l'amour de mon village, l'amour de tous les objets qui m'entourent, de tous mes biens, puisque tout a un esprit, l'amour du jardin, l'amour de ce qui poussera dans le jardin, l'amour des voyages astraux, l'amour des sorties hors du corps, l'amour des Bouddhas, si je n'ai pas dit, l'amour des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière, l'amour de l'amour, l'amour de la vie, l'amour de mon corps, l'amour des cellules de mon corps, l'amour des organes de mon corps, l'amour de la vérité, l'amour de l'amour, l'amour de l'amitié, l'amour de la fraternité, l'amour de l'humilité, l'amour des livres sacrés, l'amour des livres, l'amour de la foi, l'amour de lecteur, l'amour des personnes sur Facebook, l'amour des personnes qui ont un Kindle, l'amour de mes livres, l'amour de l'inspiration, l'amour de la créativité, l'amour des personnes à Saint-Nazaire, l'amour des personnes en France, l'amour de mon pays, l'amour de la planète. L'amour des élémentaux. L'amour de tous les règnes. L'amour des minéraux, des végétaux, des animaux. L'amour de tous les plans d'existence. Rayon rose, rayon rose, rayon rose. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, la compassion. L'amour de la nature, l'harmonie, le pardon, le respect, l'amour don. L'amour de famille d'âme, l'amour de ma famille de sang, l'amour de ma famille spirituelle. L'acceptation, tout acte, pensée, parole, émotion, ressenti, écrit, relation avec autrui. Au nom des puissances Elohim, des Kohanim, des archanges, recteurs et des anges des rayons, je dirais que l'agression durable, en ce 5 janvier 2021 et pour toute l'année, du rayon rose d'amour divin pour mon développement personnel, le développement personnel de chacun, pour mon ascension, l'ascension collective, l'ascension de la Terre, puisse ce rayon s'activer intensément chaque instant en moi, chaque instant en nous,
me protéger divinement, nous protéger divinement et me guider, nous guider, qu'il en soit ainsi et cela est, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ, Jésus, je t'aime, j'ai confiance en toi, avec l'aide de tous les anges et archanges, dont l'ange du jour, Rochelle, Raël et mon ange gardien, et l'archange Gabriel, recteur du cœur des anges gardiens, tous les anges gardiens, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie ma mère, ainsi soit-il, Amen. Alléluia, merci, j'invoque le rayon rose de l'amour divin en action, dirigé par Maître Paul le Vénitien, Maître Lady Nada et l'archange Samuel, Kamael, Samuel, rayon rose, rayon rose, rayon rose, rayon rose de l'amour divin, descend en moi, descend en nous, entoure-moi, entoure-nous, rentre en moi, entre en nous, active en moi et en nous la puissance de la flamme rose, afin de recevoir puis manifester, merci, recevoir puis manifester l'amour universel et inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour des anges, l'amour des archanges, l'amour de Jésus, de Marie, de Saint-Joseph, de tous les saints, l'amour de mon ange gardien, l'amour de tous les anges gardiens, l'amour de tous les cœurs des anges, l'amour des maîtres ascensionnés, l'amour des Bouddhas, l'amour du cœur sacré de Jésus, l'amour du cœur immaculé de Marie, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Krishna, l'amour de Radha, l'amour de Prabhupada, l'amour de Hanuman, l'amour de Jagannath, l'amour de Chaitanya, de Nityananda, l'amour de tous les maîtres spirituel du passé, l'amour des Bouddhas, l'amour des dévots de Krishna, l'amour des personnes à l'église, l'amour des prêtres, l'amour des êtres de lumière, l'amour des maîtres ascensionnés, l'amour des animaux, l'amour des végétaux, l'amour des minéraux, l'amour de mes chats, l'amour de la planète Terre, l'amour du soleil, l'amour de la lune, l'amour de toutes les planètes, de toutes les étoiles, de tout l'univers, de tous les univers, de tous les plans d'existence. L'amour des voyages astraux, l'amour des sorties hors du corps, l'amour de ma famille d'âme, l'amour de ma famille de sang, de mes ancêtres, l'amour de ma famille spirituelle. L'amour des livres sacrés, l'amour de mon voisinage, l'amour de mes lieux d'habitation, l'amour de mon jardin, l'amour des objets qui m'entourent, l'amour de mes écrits, l'amour de la créativité, l'amour de la joie de vivre, l'amour de la santé, l'amour du bonheur, l'amour de la fraternité, l'amour de l'humilité, l'amour de la bonté, l'amour de la bienveillance, l'amour de la compassion, l'amour de l'entraide. L'amour des Bouddhas, l'amour de mon complément amoureux, de ma partenaire idéale, l'amour de mon village, l'amour de mon pays, l'amour de toute la planète. L'amour de la vérité, l'amour de la sagesse, l'amour de l'amitié, l'amour de l'amour, l'amour de la vérité, l'amour de lecteur de livres, l'amour de mes livres. L'amour de la créativité, l'amour de l'inspiration, l'amour de la canalisation. L'amour de la vie. L'amour de moi, l'amour des atomes de mon corps, l'atome de mes organes, l'amour de mon corps, l'amour de mes chats, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'harmonie, le pardon, le respect, l'amour don, l'amour de mon ange gardien, l'amour de tous les anges gardiens, l'acceptation en tout acte, pensée, parole, émotion, ressenti, écrit, relation avec autrui. Au nom de puissance d'Elohim, des Kohan, des archanges, acteurs, des anges, des rayons, je décrète l'activation durable du rayon rose pour mon développement personnel, pour le développement personnel de chacun, mon ascension, l'ascension collective, l'ascension de la Terre, l'amour de la Terre, Mère Gaïa, puisse ce rayon s'activer intensément chaque instant en moi, me protéger divinement, nous protéger divinement et me guider, nous guider, qu'il en soit ainsi et cela est, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, Amen. Merci, merci, j'invoque le rayon rose. Je remercie la vie de remplir mon corps d'or, de lumière et d'amour. D'or, d'amour et de lumière. D'amour, de lumière et d'or. Merci, merci, merci. Je remercie la vie de remplir mon corps d'or, d'amour et de lumière. Je remercie la vie de remplir mon corps d'amour, de lumière et d'or. J'invoque le rayon rose de l'amour divin en action, dirigé par Maître Paul le Vénitien, Maître Lady Nada et l'archange Kamael, Kamael, Samuel, Samuel. Avec l'aide de mon ange gardien, de tous les anges gardiens, de tout le cœur des anges gardiens et de l'archange Gabriel, force de Dieu, qui est l'archange recteur
du cœur des anges gardiens, avec la protection de l'archange Michael. J'appelle l'archange Michael, même Yod-Kaf Aleph Lamed, même Yod-Kaf Aleph Lamed, même Yod-Kaf Aleph Lamed. L'aide de l'ange du jour, Rochelle, mon ange et mon ange gardien, mais mon ange émotionnel, mon ange spirituel. De tous les maîtres, tous les guides, l'amour du druide qui est peut-être présent, comme on me l'a dit, ici, dans mon lieu d'habitation. Rayon rose, rayon rose, rayon rose de l'amour divin, s'il te plaît, descends en moi, descends en nous, entoure-moi, entoure-nous, entre en moi, entre en nous, active en moi et en nous la puissance de la flamme rose. De l'amour divin en action, afin de recevoir plus manifesté l'amour universel et inconditionnel. Merci, 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 l'amour de Dieu. Merci, 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 l'amour des anges, des archanges. Merci, l'amour de Jésus, l'amour de Marie, l'amour de Saint-Joseph, l'amour de tous les saints, l'amour du Saint-Esprit, l'amour du cœur sacré de Jésus, l'amour du cœur immaculé de Marie, l'amour d'une union de ces deux cœurs, l'amour de Krishna, l'amour de Radha, l'amour de Prabhupada, l'amour de Jagannath, l'amour de Hanuman, l'amour de Ganesh, l'amour de tous les devas, l'amour de tous les maîtres ascensionnés, l'amour des dévots de Krishna, l'amour des personnes de l'Église, l'amour des prêtres, l'amour des animaux, l'amour de la terre-mère, l'amour du soleil, l'amour du vent, l'amour des éléments, des élémentaux, l'amour de mes chats, l'amour de mon corps, l'amour des cellules de mon corps, l'amour de mes organes, l'amour de mon lieu d'habitation, de mes lieux d'habitation, l'amour de mon entourage, de mon voisinage, de mon village, de mon pays, de la planète, du soleil, des étoiles, des planètes, l'amour de tous les univers, même parallèles, l'amour de l'intra-terre, l'amour des voyages astraux, l'amour des sorties hors du corps, l'amour de la vérité, l'amour de l'amour, l'amour de la fraternité, l'amour de l'entraide, l'amour de l'humilité, l'amour des livres sacrés, l'amour des livres, l'amour de la créativité, l'amour de l'inspiration, l'amour de la santé, l'amour de la fraternité, l'amour de lecteur, l'amour des correspondants Facebook, de mes correspondants Facebook, l'amour de mon voisinage, l'amour de mes amis, l'amour de ma famille d'âme, l'amour de ma famille de sang, l'amour de ma famille spirituelle, l'amour de ma partenaire idéale, de mon complément amoureux, l'amour des personnes que j'ai aimées dans le passé, quelle que soit la vie. L'amour des livres, l'amour des objets autour de moi, l'amour de mon ordinateur, puisque tout a un esprit. L'amour de mon jardin, l'amour des légumes, des fruits qui pousseront. L'amour de la sagesse, l'amour de la bonté, l'amour de l'intelligence, l'amour de la bienveillance, l'amour de l'humilité, l'amour de la vérité, la compassion, l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour de la terre mère Gaïa, l'harmonie, le pardon, le respect, l'amour don, l'acceptation tout acte, pensée, parole, émotion, ressenti, écrit, relation avec autrui. Merci, 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 merci au nom des puissances de Elohim, des Kohanim, des archanges directeurs, des anges, des rayons, je décrète l'activation durable du rayon rose pour mon développement personnel et mon ascension. Puis ce rayon, aussi pour le développement personnel de chacun, l'ascension collective, l'ascension de la Terre, puis ce rayon rose d'amour divin en action s'active intensément chaque instant au mois, toute cette année 2021 et sur toute la Terre, me protéger divinement, nous protéger divinement et me guider, nous guider, qu'il en soit ainsi et cela est, au nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Merci. Merci, merci, merci. Présence à M, je suis un être de rayon rose, de l'amour divin en action, je suis la pureté que Dieu désire. Présence à M, je suis un être de rayon rose, de feu rose, d'amour divin en action, je suis la pureté que Dieu désire. Présence à M, je suis un être de rayon rose, d'amour divin en action, je suis la pureté que Dieu désire. Merci. Aujourd'hui, ange Rochelle ou Ra'ael, tes biens te seront restitués, tu ressentiras le besoin de restituer ce qui ne t'appartient pas, tu recevras faveur, protection et honneur de personnes que tu ne connais même pas, récupération de ce qui était perdu ou égaré. Si tu as été l'objet d'un vol, tu sauras qui t'a volé. La personne objet de la consultation deviendra riche et renommée. Tu recevras un héritage, tu peux réussir en tant qu'avocat, notaire, magistrat. Tu devrais étudier le droit, les lois, grand connaisseur de la tradition, des us et coutumes des peuples. Tu connaîtras la vérité par la voie de l'intuition. Prière à l'ange Rochelle.
Fais-moi connaître la vérité par la voie de l'intuition. Merci, fais tout que tout ce qui a été dit te concernant se réalise pour moi. Seigneur Rochelle, vide mon âme, s'il te plaît, de tout ce qui n'est pas droit pour que ta lumière puisse me pénétrer. Père, mets-moi, Rochelle, s'il te plaît, de porter témoignage de ta divine bonté. Permets-moi de devenir un exemple vivant pour autrui et d'être le canal vivant des grands desseins du Saint-Esprit. Béni soit-il, béni soit le Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Rochelle, Seigneur, vide mon âme, s'il te plaît, de tout ce qui n'est pas droit, pour que ta lumière puisse me pénétrer. Permets-moi, Rochelle, de porter témoignage de ta divine bonté. Permets-moi de devenir un exemple vivant pour autrui, d'être le canal vivant des grands desseins du Saint-Esprit. Béni soit-il, béni soit le Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Merci, ange Rochelle, Ra-Ha-El, Rochelle, Ra-Ha-El. Seigneur Rochelle, vide mon âme, s'il te plaît, de tout ce qui n'est pas droit, pour que ta lumière puisse me pénétrer. Permets-moi, Rochelle, de porter témoignage de ta divine bonté. Permets-moi de devenir un exemple vivant pour autrui et d'être le canal vivant des grands desseins du Saint-Esprit. Béni soit-il, merci. Au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Merci, ainsi soit-il. Amen. 10h01, ange miroir qui correspond à l'ange Lécabel. Signification, je choisis l'audace et je tente ma chance. Je choisis l'audace et je tente ma chance. Je comprendrai aujourd'hui si je peux choisir l'audace et tenter ma chance. Merci de ce message, Lécabel. L'ange Rochelle exhorte, je te ferai découvrir en toi-même un nouvel être qui t'ouvrira les portes d'une nouvelle dimension. Je t'enivrerai de lumière et cette lumière prendra une telle intensité, une telle vitalité que rien ne saurait l'éteindre, même pas l'eau de tes émotions. Je mettrai le feu dans tes désirs et ainsi tu découvriras la volonté divine du roi du monde. Merci, ange Rochelle, Ra-Ha-El, je te ferai découvrir en toi-même un nouvel être qui t'ouvrira les portes d'une nouvelle dimension. Je t'enivrerai de lumière et cette lumière prendra une telle intensité, une telle vitalité que rien ne saurait l'éteindre, même pas l'eau de tes émotions. Je mettrai le feu dans tes désirs et ainsi tu découvriras la volonté divine du roi du monde. Ainsi soit-il, merci au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, Rochelle, ainsi soit-il. Amen, Seigneur, Rochelle, vide mon âme de tout ce qui n'est pas droit, pour que ta lumière puisse me pénétrer. Permets-moi, Rochelle, de porter témoignage de ta divine bonté. Permets-moi de devenir, s'il te plaît, un exemple vivant pour autrui et d'être le canal vivant des grands desseins du Saint-Esprit. Béni soit-il, au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. L'ange Rochelle exhorte, je te ferai découvrir en toi-même un nouvel être qui t'ouvrira les portes d'une nouvelle dimension. Je t'enivrerai de lumière. Merci, et cette lumière prendra une telle intensité, une telle vitalité. Merci que rien ne saurait l'éteindre, même pas l'eau de tes émotions. Je mettrai le feu dans tes désirs et ainsi tu découvriras la volonté divine du roi du monde. Merci Rochelle de me faire découvrir la volonté divine du roi du monde. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ange Rochelle, Ra-Ha-El, ainsi soit-il, merci, amen. Son nom signifie Rochelle, son nom signifie Dieu qui voit tout. Le nom de Rochelle est tiré du psaume 16, verset 5. Dieu qui voit tout, Rochelle, l'Éternel est ma part d'héritage et mon calice. C'est toi, Seigneur, qui consolide mon destin. L'Éternel est ma part d'héritage et mon calice. C'est toi, Seigneur, qui consolide mon destin. Merci, Éternel. Seigneur, l'Éternel est ma part d'héritage et mon calice, c'est toi, Seigneur, qui consolide mon destin. Merci. Amen. Rochelle, ou Ra-Ha-El, est un ange aux aspects plutôt masculins. Pour comprendre son nom, Rochelle, Ra-Ha-El, Resh, Aleph et Aleph Lamed. Resh, Aleph et Aleph Lamed. Dans le nom de cet ange, le Aleph en deuxième position est illuminé et cette dynamique permet de rendre visible ce qui était invisible. Ce qui en apparence était mort revient à la vie. C'est la possibilité de retrouver, de récupérer tout ce que nous avons perdu, qu'il s'agisse de temps, d'argent, d'amour, d'amis, d'objets, sentiments, souvenirs, que je récupère tout ce que j'ai perdu, Rochelle, Ra-Ha-El, au nom de Jésus-Christ. Merci, amen, d'éliminer toutes les dettes karmique, merci d'éliminer toutes mes dettes karmiques au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, amen, et c'est au travers de la prière, des méditations, que la conscience sera illuminée, éclairée, équilibrée, harmonisée, réparée.
Merci, faites que ma conscience soit aujourd'hui illuminée, éclairée, équilibrée, harmonisée, réparée. Rochelle vous aidera si vous lui demandez son aide à retrouver en vous cet équilibre si important. Aide-moi à retrouver en moi cet équilibre si important. Rochelle, s'il te plaît. L'avez-vous perdu ou vous l'a-t-on volé? L'avez-vous égaré par distraction? Et qu'avez-vous perdu? La joie de vivre, le goût d'aimer? Priez l'ange Rochelle qui s'empressera de vous aider, vous guider, toujours avec douceur et amour. Ces êtres merveilleux nous aiment d'une façon inconditionnelle, ils ne nous jugent jamais, nous accompagnent toujours, soyez assurés de leur soutien, peut-être ces derniers jours ont paru longs, difficiles, éprouvants pour certains. Rochelle vous libérera de tous les doutes qui vous assaillent, du manque de confiance en vos capacités. Appelez Rochelle et surtout ne lui mentez pas, puisqu'il voit tout. Rochelle, Rochelle, Dieu qui voit tout, indique-moi le chemin, le bon chemin, le sentier sur lequel vous cheminez. Avec Rochelle est appelé intelligence de tentation ou d'épreuve, parce que c'est la première tentation par laquelle Dieu éprouve les pieux. Ce chemin unit le soleil, Tiferet et la lune. Yesod, il est celui de l'union étroite de la volonté et de l'imagination. Ici, l'imagination utilise le pouvoir de la volonté pour se reproduire, se réaliser, l'accroissement, l'amplification. L'une ne peuvent plus être retenues une fois que cette volonté impérieuse, soleil, est présente. Cela pousse à extérioriser, à matérialiser son œuvre sur terre. Aidez-moi à matérialiser mon œuvre sur terre, s'il vous plaît. Yesod, lune qui représente notre plan, la femme, la fertilité, l'accroissement, l'amplification, l'abondance, de rêves à matérialiser, contient un concentré de désirs, de rêves, de réussite, d'idéaux, de plaisirs, de joie terrestre qui nous laisse imaginer tous les débordements, toutes les tentations que cela peut engendrer. Ne vous laissez pas être guidé ou influencé par les vieux schémas d'hier, ceux qui n'ont plus leur place aujourd'hui, rendez-les à leurs propriétaires. Votre façon de penser évoluera dans le sens où vous retrouverez en vous l'amour maternel, le regard du Père au travers de la mère, et ainsi cette nouvelle façon d'être vous fera prendre de plus en plus confiance en vous jusqu'à l'insouciance en toute sagesse. N'oubliez jamais que vous êtes des enfants, des créateurs, vous avez une mission sur cette terre, chaque être a un rôle à jouer. Demandez à Rochelle quelle est votre mission. Rochelle, s'il te plaît, quelle est ma mission? La réponse se trouve déjà en vous, Rochelle vous la dévoilera, sans doute de vie en vie. Avez-vous oublié quel père, quelle mère attentionnée, attentif, aimant vous avez été? N'en doutez pas et ayez sur vous-même ce regard, ne jugez pas si durement ni votre entourage. Ne vous jugez pas si durement ni votre entourage, faites entrer Rochelle dans votre vie et elle s'illuminera, elle vous aidera à reconnaître l'ombre qui fuira. Qualité, restitution, accorde à chacun ce qui lui revient, retrouve les objets, sentiments, pensées, perdus ou volés, héritage, succession, magistrat, notaire, avocat, étude des lois et de la justice, étude de l'histoire, intuition, archives et bibliothèque universelle, DAF, sciences pratiques et théoriques, recevoir et donner, administration, secrétariat, comptabilité, nettoie le contenu karmique, élimine les karmas, retrouve le moi divin, androgynie originelle, permets-moi de retrouver la capacité à aimer un autre être amoureusement. Donne-moi la capacité de nouveau de retrouver l'inspiration que j'ai perdue, la créativité que j'ai perdue. Donne-moi la capacité d'être en harmonie avec tout le monde et tous les éléments et la nature, la terre-mère. Restitue-moi tout ceci, s'il te plaît. Peut-être je vais avoir des nouvelles du côté de la succession d'une manière ou d'une autre aujourd'hui, puisque les qualités, c'est restitution, accorde à chacun ce qui lui revient, retrouve les objets, sentiments, pensées, perdus ou volés, héritage, succession, magistrat, notaire, avocat, étude des lois et de la justice, étude de l'histoire, intuition, archives et bibliothèques universelles, date, sciences pratiques et théoriques, recevoir et donner, administration, secrétariat, comptabilité, nettoie le contenu karmique, élimine les karmas, 10h10, faites tout cela, les cabelles, mets-toi avec tous les anges, toutes les personnes qui aident, tous les êtres aidants. Retrouve le moi divin, androgynie originelle. Influence de Rochelle, corps procure une excellente mémoire. Morale, sens de la propos, vivacité de réplique, excellent débatteur. Âme, grand attrait pour la connaissance, l'étude et l'application des lois humaines, passion pour le droit. L'œil de Dieu. Dieu qui voit tout, Rochelle, amour, amour matrimonial, durable, à qui, après une longue préparation, se précipiter ne produira rien de bon. Mesdames, faites respecter vos valeurs traditionnelles. Messieurs, soyez généreux, souples, respectueux, avec devoir et fidélité.
Argent, vous êtes des êtres généreux et pour donner plus, il faut posséder plus. Demandez ce qui vous revient, je demande ce qui me revient. À tous les niveaux, santé, protection, dans le cas d'anorexie, invoquez l'ange et consultez votre médecin. C'est pour, par l'amour des proches, que la situation peut s'améliorer. Travail, la discrétion permettra d'obtenir de belles victoires ésotériques. C'est au travers de l'image, de l'imagination que Rochelle communique. Et c'est votre vision des choses qui se matérialise, la clairvoyance, don, vertu, pouvoir, retrouve des objets perdus ou volés, la réussite dans les métiers en rapport avec les lois, la justice, l'histoire, le passé, le futur, les enfants, monde intérieur, harmonieux, riche, équilibré, positif, amour parents, enfants, entre les différentes générations et les peuples, haute moralité, amour des enfants, lutter contre l'orgueil et la cupidité, clairvoyance. Rochelle gouverne sur la vue, permets-moi de bien voir les choses. Rochelle, dans tous les sens du terme, permet à Melchior que son œil soit protégé et fonctionne correctement. Merci Rochelle. Le Rochelle est l'ange des personnes qui ont des rapports avec les lois, avocats, juges, policiers, politiciens, conférenciers, clairvoyants, ainsi que tous ceux qui cherchent quelque chose ou quelqu'un. Les détectives, enquêteurs, chercheurs sont bien inspirés puisque Rochelle les aidera à voir les mensonges, les choses cachées, les solutions, les réponses. Sont concernées aussi les lois comportementales, éducationnelles. Mots-clés qui vous permettront de comprendre, de sentir sa présence. Vous serez plus attentif à ce qui se passe autour de vous et en vous. Vous remarquerez le menteur qui déglutit, qui bégaye, qui s'agite. Cela sautera aux yeux. Vous verrez plein de petits détails qui vous renseigneront sur les autres, mais surtout sur vous-même. Vous aurez envie de mettre madame en valeur si vous êtes un homme et monsieur si vous êtes une femme. Envie de nettoyer, de faire le ménage. Ménage intérieur, éclaircissement, assainissement. Les yeux qui piquent ou démangent. Comment voyez-vous les choses? Vous pleurez, présence, nettoyage, aucune rivière n'est jamais totalement tarie. Odeur, odorat, au travers d'un chien plus particulièrement ou de votre propre nez. Arôme, parfum, encens d'église, myrrhe, santal, patchouli, pain grillé, café fort, odeur épicée forte. Les mots, regard, vision, vue, visible, invisible, disparu. Vous retrouverez un objet oublié, égaré, perdu. Couleur violet, rose, rayon rose d'amour divin. Jaune, orangé, mauve, le fard à paupières ou le rimmel qui coule, Rochelle vous taquine, on vous fait une remarque sur votre regard, vos yeux, on vous dit regarde. Vous croisez des policiers, détectives, juges, avocats. Une balance de justice, maintenez votre attention sur votre équilibre intérieur. Rochelle est l'ange des héritages et qu'il s'agisse de testament, de mémoire, la parole sera respectée, sinon faites appel. Toutefois, il vous faudra être honnête et rendre d'abord ce qui ne vous appartient pas. Exhortation, essence dispensée, restitution, à force de vivre, d'être et de jouer des rôles divers, ce qui est primordial ressuscite dans le cœur des hommes. L'Éternel m'a situé dans ce point de l'espace pour patronner cette résurrection. Je soulèverai en toi, pèlerin, des forces qui ont toujours été là, mais que tu ignorais. Tu découvriras ainsi l'existence de ce frère cadet que tu croyais mort, ce frère avec qui, depuis toujours, tu ne t'entends pas et qui possède la faculté de faire des miracles. Je te ferai découvrir en toi-même un nouvel être qui t'ouvrira les portes d'une nouvelle dimension. Je t'enivrerai de lumière, merci, et cette lumière prendra en toi une telle intensité, une telle vitalité que rien ne saurait l'éteindre, même pas l'eau de tes émotions. Je mettrai le feu dans tes désirs exaltés, et ainsi tu découvriras la loi du roi du monde. La volonté divine s'exprimera au travers de toi, et tu seras la source de la pureté retrouvée. Merci, merci, alléluia, amen, au nom du Père, du Fils, du Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, amen, alléluia, Rochelle. Par les mains de Marie, ma mère, avec l'aide du rayon rouge, de tous les anges, archanges, l'archange Gabriel, Raphaël, archange Raphaël, archange Michael, archange Samuel, archange tous les archanges, merci. Rochelle, 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 essence dispensée, restitution, à force de vivre, d'être et de jouer des rôles divers, ce qui est primordial, ressuscite dans le cœur des hommes. L'Éternel m'a situé dans ce point de l'espace pour patronner cette résurrection. Je soulèverai en toi, pèlerin, des forces qui ont toujours été là, mais que tu ignorais. Tu découvriras ainsi l'existence de ce frère cadet que tu croyais mort, ce frère avec qui, depuis toujours, tu ne t'entends pas et qui possède la faculté de faire des miracles. Je te ferai découvrir en toi-même un nouvel être qui t'ouvrira les portes d'une nouvelle dimension. Je t'enivrerai de lumière et cette lumière prendra en toi une telle intensité, une telle vitalité que rien ne saurait l'éteindre, même pas l'eau de tes émotions. Je mettrai le feu dans tes désirs exaltés et ainsi tu découvriras la loi du roi du monde. La volonté divine s'exprimera au travers de toi et tu seras la source de la pureté retrouvée. Merci, 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 au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il, amen. Une des clés pour réussir votre mission réside dans votre comportement vis-à-vis de votre époux, épouse. Donnez-moi une épouse, s'il vous plaît, dans vos rapports parents-enfants. Les rapports avec mes chats qui sont mes enfants. Mettez vos proches en valeur par des petits gestes, des petites attentions, des mots doux et des encouragements. Semez à l'aube de ce nouveau printemps qui arrive de bonnes graines. Veillez à bien entretenir ce jardin qu'est l'amour par de bonnes intentions. En regardant autour de vous si quelqu'un a besoin d'aide, d'amour, d'une oreille attentive, tout simplement. Et quand viendra l'heure de la récolte, elle sera assurément abondante. Demandez à Rochelle de vous aider à vous aimer d'abord vous-même afin de retrouver une bonne stabilité. Aide-moi à m'aimer moi-même et ma créativité, mon inspiration, Rochelle. Redonne-moi, restitue-moi mon inspiration, ma créativité. Restitue-moi ma capacité à imaginer, à aimer. Demandez à Rochelle de vous aider à vous aimer d'abord vous-même afin de retrouver une bonne stabilité. Pour que je puisse retrouver une bonne stabilité, un bon équilibre, pour que je puisse accomplir mon importante mission sans perdre de temps. Merci Rochelle, au nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Rochelle, Seigneur, tu vois tout dans la sublime mémoire des vies passées et je te demande de m'accorder la force nécessaire pour payer le mal que j'ai fait. Je te demande de transmuter la haine ancienne en amour désintéressé. Ange Rochelle, vide mon âme de tout ce qui n'est pas droit, de tout ce qui est misérable pour que dans mes ténèbres ta lumière puisse pénétrer. Et lorsque tu auras effacé la dernière goutte du calice de mon amertume, permets-moi, ange Rochelle, de porter témoignage de ta divine sagesse, de ton divin pouvoir, de ton divin amour, capable d'accorder le pardon à tous mes errements passés dont je me repens. Libre de tout passé sombre, j'avance vers un avenir lumineux par la grâce de mon ange gardien. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Rochelle, 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 Seigneur Rochelle, tu vois tout dans la sublime mémoire de mes vies passées et je te demande de m'accorder la force nécessaire pour payer le mal que j'ai fait. Je te demande de transmuter la haine ancienne en amour désintéressé. Ange Rochelle, vide mon âme, s'il te plaît, de tout ce qui n'est pas droit, de tout ce qui est misérable, pour que dans mes ténèbres ta lumière puisse pénétrer. Et lorsque tu auras effacé la dernière goutte du calice de mon amertume, permets-moi, s'il te plaît, Ange Rochelle, de porter témoignage de ta divine sagesse, de ton divin pouvoir, de ton divin amour, capable d'accorder le pardon à tous mes errements passés dont je me repens. Libre de tout passé sombre, j'avance vers un avenir lumineux par la grâce de mon ange gardien. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Rochelle Raël dit, je suis l'ange qui ouvre la porte de la restitution. N'hésite pas, prends ma main, je te conduirai sur le chemin de la liquidation du passé karmique, du pardon. Raël, merci Rochelle, je prends ta main, guide-moi, je suis l'ange qui ouvre la porte de la restitution. N'hésite pas, prends ma main, je te conduirai sur le chemin de la liquidation du passé karmique, du pardon. Merci de faire cela, Rochelle Raël, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, aidez-moi que je cède devant vous, pour que la volonté divine soit faite par vous, par moi, pour le plus grand bien de tous. Merci, Amen, Alléluia. Rochelle, 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 Seigneur, éclaire-moi de ta divine lumière pour que toutes mes œuvres soient claires, véritables, solides et stables comme des rochers. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Rochelle, Seigneur, Rochelle, éclaire-moi, s'il te plaît, de ta divine lumière pour que toutes mes œuvres soient claires, véritables, solides et stables comme des rochers. Rochelle, 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 au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Rochelle, 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 Seigneur, Rochelle, éclaire-moi, s'il te plaît, de ta divine lumière pour que toutes mes œuvres soient claires, véritables, solides et stables comme des rochers. Merci, avec l'aide de l'archange Gabriel, force de Dieu. Et de l'archange Samuel, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Je vais lire l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée, s'étant approché de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive, renvoie-les qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-moi vous-même à manger, donnez-leur vous-même à manger. » Je vais relire. « En ce temps-là, Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. » Déjà l'heure était avancée, s'étant approché de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive, renvoie-les qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous » Allez voir. S'étant informés, ils lui disent «
5 et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carré de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils partagèrent aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que le reste des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. En fait, lorsque l'on écoute Dieu, quand on prend le temps, en fait, son temps pour la spiritualité, avant toute chose, Dieu nous nourrit. Il comble tous nos besoins. Merci Seigneur de cela et de ce message. Rochelle, 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 Ange Rochelle, Ange Rochelle. L'ange Rochelle, que certains angéologues nomment Rachel à juste titre, et d'autres Rahel, guérira et libérera prioritairement et rapidement la personne capable d'éveiller son enthousiasme, sa volonté. Que l'ange fera qu'elle soit forte et décidée, sa joie de vivre, son désir de se déloger de la souffrance, de se loigner du mal. La personne pourrait utilement préparer le cadre dans lequel doivent s'exprimer d'autres personnes, ou préparer le cadre dans lequel doivent s'installer des missions, des réunions de jeunes catholiques, par exemple, ou même des foires, des fêtes foraines, des pèlerinages, des concours. La personne pourra exercer son talent et réaliser de nombreux projets. Prière à l'ange Rochelle, ange Rochelle, je te demande de m'aider à éloigner le mal, la maladie, les souffrances de mon âme et de mon corps, car devant ta céleste présence, le mal se dissipe comme la fumée fond, comme la cire au feu. Ange Rochelle, je te demande de m'aider à éloigner le mal, la maladie, les souffrances de mon âme et de mon corps, car devant ta céleste présence, le mal se dissipe comme la fumée, fond comme la cire au feu. Et le bien triomphe et la santé revient, car la santé est le bien qui permet de bien agir, à la gloire du Créateur et de ses messagers, et pour la joie de tous les humains sur la terre et dans le ciel. Seigneur Rochelle, exauce ma prière, fais que j'obtienne ces biens précieux que mon cœur désire, que sont la santé et la joie de vivre. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, amen, avec la santé et la joie de vivre. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? On atteint le ciel, l'extase. Ange Rochelle, je te demande, s'il te plaît, de m'aider à éloigner le mal, la maladie, les souffrances de mon âme et de mon corps, car devant ta céleste présence, le mal se dissipe comme la fumée, fond comme de la cire au feu, et le bien triomphe et la santé revient, car la santé est le bien qui permet de bien agir, à la gloire du Créateur et de ses messagers, et pour la joie de tous les humains sur terre et dans le ciel. Seigneur Rochelle, exauce ma prière, s'il te plaît, fais que j'obtienne ces biens précieux que mon cœur désire, que sont la santé et la joie de vivre. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Merci Ange Rochelle, Archange Gabriel, merci Archange Samuel, merci Maître Ascensionné, merci Ange Rochelle, amen. Par les mains de Marie, ma mère, amen. Ange Rochelle, je te demande de m'aider, s'il te plaît, à éloigner le mal, la maladie, les souffrances de mon âme et de mon corps, car devant ta céleste présence, le mal se dissipe comme la fumée, fond comme la cire au feu. Et le bien triomphe et la santé revient, car la santé est le bien qui permet de bien agir, à la gloire du Créateur et de ses messagers, et pour la joie de tous les humains sur la terre et dans le ciel. Seigneur Rochelle, exauce ma prière. S'il te plaît, fais que j'obtienne ce bien précieux que mon cœur désire, ces biens précieux que mon cœur désire, que sont la santé et la joie de vivre. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, amen. Ange Rochelle, merci. Ange Rochelle, je te demande de m'aider à éloigner le mal, la maladie, les souffrances de mon âme et de mon corps, car devant ta céleste présence, le mal se dissipe comme la fumée, fond comme la cire au feu, et le bien triomphe et la santé revient, car la santé est le bien qui permet de bien agir à la gloire du Créateur et de ses messagers, et pour la joie de tous les humains sur la terre et dans le ciel. Seigneur Rochelle, exauce ma prière, s'il te plaît, fais que j'obtienne ces biens précieux que mon cœur désire, que sont la santé et la joie de vivre. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, Ange Rochelle, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Rochelle, 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 Rahel, Rochelle. Aujourd'hui, 5 janvier 2021,
Rochelle ou Raël, tendance bien équilibrée concernant un intense désir de construire, de bâtir et réussir matériellement une maison ou spirituellement un groupe humain. Rochelle, Raël, tendance bien équilibrée concernant un intense désir de construire, de bâtir et réussir matériellement une maison ou spirituellement un groupe humain. Seigneur Rochelle, éclaire-moi de ta divine lumière pour que toutes mes œuvres soient claires, véritables, solides et stables comme des rochers. Merci, mon Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, Rochelle, Raël, Raël, Rochelle, tendance bien équilibrée concernant un intense désir de construire, de bâtir et réussir matériellement une maison ou spirituellement un groupe humain. Seigneur Rochelle, s'il te plaît, éclaire-moi de ta divine lumière pour que toutes mes œuvres soient claires, véritables, solides et stables comme des rochers. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Seigneur Rochelle, éclaire-moi, s'il te plaît, de ta divine lumière pour que toutes mes œuvres soient claires, véritables, solides et stables comme des rochers. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Rochelle, 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 Rahael. Famille est le mot qui correspond à Rochelle. Avant de t'incarner, tu as choisi ton plan de vie et les êtres avec qui tu le réaliseras. Il en est ainsi pour la famille dans laquelle tu es né. Tu peux en être heureux ou pas, l'essentiel réside dans la compréhension de ton choix. Observe tes parents, ta fratrie, qu'as-tu essayé de t'enseigner à toi-même lorsque tu les as choisis, tels qu'ils sont. Et toi, en retour, qu'as-tu à leur enseigner? La leçon peut sembler parfois ardue, voire insurmontable, lâche prise et observe sereinement sans quoi tes émotions négatives t'emprisonneront. À ton tour, tu as fondé ou fonderas une famille, alors sois bienveillant envers les tiens. Vous êtes choisis pour apprendre les uns des autres. Ouvre ton esprit à la tolérance et à la compréhension même lorsque tu seras ferme. Ainsi cheminerez-vous main dans la main dans la lumière. Plan physique, sois bienveillant envers les enfants que tu verras aujourd'hui. Ils ont des messages importants à te transmettre, leur cœur est pur. Ils sont encore plus proches de leur être de lumière et peuvent se révéler des guides spirituels. Plan émotionnel, vivre longtemps doit être source de joie. Aime chaque aîné comme celui que tu deviendras. Aime tes parents comme tu aimes tes enfants. Plan spirituel, il peut arriver que tu te sentes si loin spirituellement de tes parents, de tes enfants ou de ta famille que tu t'interroges sur le sens de vos liens. Or, c'est justement pour que vous puissiez vous élever ensemble que vous êtes choisis. J'ai choisi ceux qui partagent ma vie. Ils sont mes victoires et mes défis, mes réussites et mes obstacles. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Je cultive la bienveillance envers chacun d'eux afin que tous nous nous élevions vers la lumière. Merci, Amen, Rochelle. J'ai choisi ceux qui partagent ma vie. Ils sont mes victoires et mes défis, mes réussites et mes obstacles. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Je cultive la bienveillance envers chacun d'eux afin que tous nous nous élevions vers la lumière. Merci, Amen. J'ai choisi ceux qui partagent ma vie. Ils sont mes victoires et mes défis, mes réussites et mes obstacles. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Je cultive la bienveillance envers chacun d'eux afin que nous nous élevions tous vers la lumière. Mon ange et tous les anges gardiens, mon ange, vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, mon frère, mon guide, mon cher compagnon, mon très sage conseiller et mon très fidèle ami, qu'il est consolant pour moi de penser que je suis confié aux soins d'un prince du ciel, quel respect je vous dois, sachant que je suis toujours en votre présence. Je vous honore et je reconnais l'amour que vous me portez et j'ai confiance en votre appui puisque vous êtes toujours à mes côtés. Gardez-moi, éclairez-moi, fortifiez-moi, vivifiez-moi, purifiez-moi, guérissez-moi. Allez voir les anges gardiens de toutes les personnes avec qui je peux être en contact pour que nous agissions donc ensuite selon la volonté divine une et pour le plus grand bien de tous. Permettez que peut-être je voie les mondes invisibles. Merci, retenez-moi aussi dans les tentations et priez avec moi et pour moi. Faites enfin que je me sauve par votre aide, ainsi je pourrai vous remercier éternellement au paradis, ainsi soit-il. Amen. Glorieux gardien de mon âme, toi qui brilles dans le beau ciel comme une douce et pure flamme, près du trône de l'Éternel, tu descends pour moi sur la terre et m'éclairant de ta splendeur, bel ange, tu deviens mon frère, mon ami, mon consolateur. Merci à tous les anges gardiens, connaissant ma grande faiblesse. Mon ange gardien, tu me diriges par la main et je te vois avec tendresse sauter des obstacles du chemin. Toujours ta douce voix m'invite à ne regarder que les cieux, plus tu me vois humble et petit et plus ton front est radieux. À toi le royaume et la gloire, les richesses du roi des rois, à moi l'humble hostie du ciboire, à moi le trésor de la croix, avec la croix, avec l'hostie. Avec ton céleste secours, j'attends en paix de l'autre vie les joies qui dureront toujours. Ô mon ange gardien, protège-moi de tes ailes, ô mon ami, illumine ma voie, dirige mes pas et sois ma protection, ne serait-ce que pour aujourd'hui. Je salue les anges gardiens de tous mes auditeurs et je prie chacun d'eux de préparer à mes paroles le cœur de celui dont il a la garde. Le mot du jour aujourd'hui, donc aujourd'hui 5 janvier,
Le mot du jour et tous les 5 janvier donc. Nature. Je suis allé dans le jardin, j'ai retourné un peu la terre dès le début de la journée aujourd'hui. Nature, 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 Rochelle, nature. Amour, cet ange stimulera un amour durable, permanent, l'amour matrimonial, mais il faudra cependant une longue préparation avant de le tenir pour acquis. Argent, vos rentrées d'argent sont normales, prévues de longue date, elles concernent plutôt des arriérés. Santé, cet ange protège contre l'anorexie. Travail, si vous ne mettez pas une trop grande ambition, vous obtiendrez de très belles victoires. Ceci surtout parce que vos rivaux ne feront pas attention à vous et vous aurez ainsi la possibilité de vous développer à l'aise. Vous obtiendrez ce que vous souhaiterez obtenir à condition de ne pas vous faire remarquer trop. Ange Rochelle, donne-moi s'il te plaît une mission. Car je souhaite servir le roi créateur, le maître du monde. Oui, je souhaite que l'œuvre divine compte aussi sur moi. Travailleur volontaire, j'agirai pour comprendre. Je veux mettre au service du monde mes capacités, mes possibilités. M'investir dans la création spirituellement, mentalement, sentimentalement et physiquement. Avec ton aide, je peux réaliser ce vœu, Rochelle. Merci, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, avec l'aide de tous les anges, gardiens et tous les archanges, merci. Tous les maîtres ascensionnés, merci. Amen, par le nom de Jésus-Christ, merci. Amen, ange Rochelle, donne-moi, s'il te plaît, une mission, car je souhaite être servir le roi créateur, le maître du monde. Oui, je souhaite que l'œuvre divine compte aussi sur moi. Travailleur volontaire, j'agirai pour comprendre. Je veux mettre au service du monde mes capacités, mes possibilités, m'investir dans la création, spirituellement, mentalement, sentimentalement et physiquement. Avec ton aide, je peux réussir ce vœu. Merci, Rochelle, au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, Rochelle, 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 Rahel, merci, Amen. Ange Rochelle, s'il te plaît, donne-moi une mission, car je souhaite servir le roi créateur, le maître du monde. Oui, je souhaite que l'œuvre divine compte aussi sur moi, travailleur volontaire, j'agirai pour comprendre. Je veux mettre au service du monde mes capacités, mes possibilités, m'investir dans la création, spirituellement, mentalement, sentimentalement et physiquement. Avec ton aide, je peux réaliser ce vœu. Rochelle, aide-moi à réaliser ce vœu avec ton aide, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Alléluia. Ange Rochelle, donne-moi, s'il te plaît, une mission, car je souhaite servir le roi créateur, le maître du monde. Oui, je souhaite que l'œuvre divine compte aussi sur moi, travailleur volontaire. J'agirai pour comprendre. Je veux mettre au service du monde mes capacités, mes possibilités, m'investir dans la création spirituellement, mentalement, sentimentalement et physiquement. Avec ton aide, je peux réussir ce vœu. Merci, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ange Rochelle, Rochelle Ra'ael, Rochelle Ra'ael, Rochelle Ra'ael, merci, 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 merci. Dieu qui voit tout, regarde-moi, aime-moi, conduis-moi, illumine-moi. Dieu qui voit tout, montre-moi ce que je dois voir. Ange vengeur, Rochelle, il appartient au cœur des anges les plus proches des hommes qui mènent à bien la plupart des missions de protection en tant qu'ange gardien. Un petit nombre d'entre eux a été envoyé pour réaliser des tâches plus concrètes, comme leurs frères des autres cœurs angéliques. Rochelle, qui signifie « Dieu voit tout », a eu un rôle important dans la tradition hébraïque et qui s'est amoindri avec la venue du christianisme. Rochelle est l'ange vengeur. L'Ancien Testament présente la vision d'un Dieu dont la majeure vertu est la stricte application de la justice divine. Jésus apporte un nouveau message dont l'amour et la miséricorde divine sont la clé de voûte. Malgré cela, on trouve encore au début de l'ère chrétienne des références à cette justice divine. Elle comprend cette idée de vengeance ou de châtiment pour les péchés commis. Ainsi, l'ange Rochelle est associé à la mort du roi Hérode, monarque sanguinaire, appartenant à une dynastie qui, dans les dernières années, a commis une multitude de crimes, le massacre des innocents dans le but d'éliminer le Messie annoncé, l'exécution de Saint Jean-Baptiste ou encore la condamnation et l'exécution du frère de Jean. Les actes des apôtres racontent comment l'ange mit fin à la vie du roi. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé par des vers. La tradition pense que Rochelle est l'ange à qui Dieu confia cette mission car il était déjà présent à d'autres moments pour venger les injustices commises par des monarques d'Israël. Prière à Rochelle, Dieu le Père Tout-Puissant, toi qui possèdes le pouvoir de vie et de mort, aie pitié de moi et n'envoie pas ton ange vengeur pour me punir de mes péchés et permets-moi de commencer une nouvelle vie en écoutant ta parole. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ange Rochelle, Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, toi qui possèdes le pouvoir de vie et de mort, aie pitié de moi et n'envoie pas ton ange vengeur pour me punir de mes péchés
et permets-moi de commencer une nouvelle vie en écoutant ta parole. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Rochelle, pardonne-moi de Marie, ma mère. Amen. Dieu, le Père Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, toi qui possèdes le pouvoir de vie et de mort, aie pitié de moi et n'envoie pas ton ange vengeur pour me punir de mes péchés, et permets-moi de commencer une nouvelle vie en écoutant ta parole. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Merci, merci, Ange Rochelle. Ange Rochelle, Ange Rochelle. Donc, 5 janvier, pouvoir obtenir restitution. Seigneur Rochelle, Ange de la Sainte Face Solaire, je porterai témoignage de ta présence au monde, car je te demande la grâce de goûter aux essences sublimes émanées du cœur des anges. Je place mes actes, mes sentiments et mes pensées au service du bien, dans le même fleuve, dans le même sens, dans le même feu et dans le même dessein que les forces positives de l'univers en expansion permanente. Lorsque les biens sont restitués, le mal s'écroule. Si je reçois ta lumière solaire, je pourrai répandre cette même lumière comme tout astre sans lumière propre, tout en tenant compte de mon infime niveau, sans comparaison possible avec le tien, Ange Rochelle, Ange de la Création. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen, Seigneur Rochelle, Ange de la Sainte Face Solaire. Je porterai témoignage de ta présence au monde, car je te demande la grâce de goûter aux essences sublimes émanées du cœur des anges. Je place mes actes, mes sentiments et mes pensées au service du bien, dans le même fleuve, dans le même sens, dans le même feu et dans le même dessein que les forces positives de l'univers en expansion permanente. Lorsque les biens sont restitués, le mal s'écroule. Si je reçois ta lumière solaire, je pourrai répandre cette même lumière comme tout astre sans lumière propre, tout en tenant compte de mon infime niveau, sans comparaison possible avec le tien, Ange Rochelle, Ange de la Création. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, restitution. Amen, l'ange. La création est la plus grande révélation divine, visible et tangible, et la progression de cette création se fera par toi, par ton action. Je suis un simple et dévoué serviteur volontaire. Ta responsabilité est ô combien plus grande que la mienne, bien plus encore à présent que tu possèdes l'arme absolue de la victoire, la prière. Merci, Seigneur Rochelle, Ange de la Sainte Face Solaire. Je porterai témoignage de ta présence au monde, car je te demande la grâce de goûter aux essences sublimes émanées du cœur des anges. Je place mes actes, mes sentiments et mes pensées au service du bien, dans le même fleuve, dans le même sens, dans le même feu et dans le même dessein que les forces positives de l'univers en expansion permanente. Lorsque les biens sont restitués, le mal s'écroule. Si je reçois ta lumière solaire, je pourrai répandre cette même lumière comme tout astre sans lumière propre, tout en tenant compte de mon infime niveau, sans comparaison possible avec le tien, Ange Rochelle, Ange de la Création. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère. Merci, ainsi soit-il. Amen. Ange de la Création, Rochelle, Dieu qui voit tout. L'ange, la création est la plus grande révélation divine, visible et tangible, et la progression de cette création se fera par toi, par ton action. Je suis un simple et dévoué serviteur volontaire. Ta responsabilité est ô combien plus grande que la mienne, bien plus encore à présent que tu possèdes l'arme absolue de la victoire, la prière. Merci de m'avoir donné ce livre et tous ces livres. Les anges, les archanges, Dieu Tout-Puissant, Jésus, Marie, Joseph, Seigneur Rochelle, Ange de la Sainte Face Solaire, je porterai témoignage de ta présence au monde, car je te demande la grâce de goûter aux essences sublimes émanées du cœur des anges. Je place mes actes, mes sentiments et mes pensées au service du bien, dans le même fleuve, dans le même sens, dans le même feu, dans le même dessein que les forces positives de l'univers en expansion permanente. Lorsque les biens sont restitués, le mal s'écroule. Si je reçois ta lumière solaire, je pourrai répandre cette même lumière comme tout astre sans lumière propre, tout en tenant compte de mon infime niveau sans comparaison possible avec le tien, Ange Rochelle, Ange de la Création. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère. Amen, Père éternel, avec confiance, je vous offre les cœurs unis de Jésus et de Marie, les plaies victorieuses et sanglantes de Jésus et les larmes de Marie, notre Mère du Ciel. Seigneur, que votre volonté soit faite. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde, que par la grande miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Même Yod Kaf Aleph Lamed, même Yod Kaf Aleph Lamed, même Yod Kaf Aleph Lamed. Saint Michel, Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon, que Dieu lui fasse sentir son empire.
Nous vous en supplions, et vous, prince de la mise céleste repoussé en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon, que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussé en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, très chère, Archange, Michel, Saint-Michel, ainsi soit-il, Amen. Défendez-nous, Saint-Michel Archange, dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon, que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussé en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Au nom du Père, céleste et puissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras, grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre Virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Sainte famille, je vous salue, Marie et Joseph, bienheureux époux. L'Esprit Saint repose sur vous. Vous êtes bénie entre toutes les familles, icône de la Sainte Trinité. Et Jésus, accueilli par votre oui, nous révèle l'amour du Père. Sainte Marie et Saint Joseph, avec tous nos amis du ciel, priez pour nous, pauvres serviteurs, maintenant et à l'heure de la rencontre. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, souvenez-vous de votre promesse de faire du bien sur la terre, répandez avec abondance votre pluie de roses sur ceux qui vous invoquent et obtenez-nous de Dieu les grâces que nous attendons de sa bonté infinie. Amen. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Jésus, je t'aime, j'ai confiance en toi. Jésus, je t'aime, j'ai confiance en toi. Jésus, je t'aime, j'ai confiance en toi. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sainte Faustine, priez pour moi, priez pour nous. Ô glorieuse Sainte Rita, toi qui dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu, nous nous tournons vers toi avec confiance et abandon. Interviens auprès du Seigneur Tout-Puissant et Bon. Aide-nous auprès de Dieu, c'est sur ton intercession que nous avons basé notre confiance. Couronne nos espoirs, entends nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie. Nous te rendons grâce pour les bienfaits que tu nous accordes par les mérites de Sainte Rita. Ô toi qui es si bonne, Sainte Rita, fais que nous devenions de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de ta protection. Amen, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux, pour accueillir avec tendresse et compassion tous les pauvres que tu envoies vers nous. Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer et les servir, éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrants et brisés la présence de Jésus vivant. Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. Amen. Cœur sacré de Jésus, source de tout bien, je vous adore, je crois en vous, j'espère en vous, je vous aime et je regrette tous mes péchés. Je vous offre mon pauvre cœur, rendez-le humble, patient, pur et en tout conforme à vos désirs. Faites, ô bon Jésus, que je vive en vous et vous en moi. Protégez-moi dans les dangers, consolez-moi dans les peines et les misères. Accordez-moi la santé du corps, votre bénédiction pour toutes mes œuvres et la grâce d'une sainte mort. Amen. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi, qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et de toi, le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Merci, 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 merci que cette journée, avec l'aide de l'ange Rochelle, Raël, de l'archange Gabriel, de l'archange Samuel, Kamahel, de mon ange gardien, de tous les anges gardiens dans ce cœur des anges gardiens, que cette journée soit bénie pour moi, pour tous, pour toute la terre. Je me sens bien, je remercie le ciel, je remercie la vie de remplir mon corps d'or, de lumière et d'amour, d'amour, de lumière et d'or, de lumière, d'amour et d'or. Merci, 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 merci. Présence, je suis un être de feu rose d'amour divin, je suis la pureté que Dieu désire. Présence, je suis un être de feu rose d'amour divin, je suis la pureté que Dieu désire. Présence, je suis un être de feu rose d'amour divin, je suis la pureté que Dieu désire. Présence, je suis un être de feu rose d'amour divin, je suis la pureté que Dieu désire. Présence, je suis un être de feu rose d'amour divin, je suis la pureté que Dieu désire. Présence, je suis un être de feu rose d'amour divin, je suis la pureté que Dieu désire. Merci au rayon rose d'amour divin, merci à l'archange Samuel. Au maître ascensionné Paul le Vénitien, au maître Lydie Linda, à l'ange du jour, Rochelle, à mon ange gardien, à tous les anges, archanges, à tous les saints. Merci Dieu Tout-Puissant, Jésus, Marie, Joseph, l'Esprit Saint, merci, Amen. Merci à l'amour universel inconditionnel, merci à l'amour divin en action, merci au rayon rose d'amour divin en action, merci à tous ceux qui m'ont donné de l'amour, qui m'en donnent actuellement et qui m'en donneront, merci à mes chats qui me donnent de l'amour et qui me permettent d'en donner, merci à la partenaire idéale que j'attends et qui me donne peut-être déjà de l'amour en avance et qui m'en donnera ou qui m'en a déjà donné d'une autre façon. Merci à tous, ainsi soit-il. Amen, Alléluia, Hare Krishna. Merci aussi à Krishna, Radha, Prabhupada. Merci, Amen, Alléluia.